Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique qu'utilise Tom pour traiter sa maladie de Dupuytren, hein, dont vous avez vu dans une précédente vidéo son témoignage. Aujourd'hui, on va passer à la partie pratique. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que j'ai reçu, suite à la publication de cette vidéo, des demandes d'internautes qui m'ont dit « Mais oui, mais vous en dites pas assez, vous parlez du massage, et qu'est-ce qui fait comme mouvement, etc. » Donc je vous présente le programme de Tom. Rassurez-vous, ça ne dure que quelques minutes, et vous verrez, quelques minutes consacrées à votre santé par jour peut complètement changer votre vie. Voilà, donc passons maintenant à la pratique. Alors Tom, je te remercie de nous montrer ton programme parce que suite à la première vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages d'internautes qui m'ont demandé, oui, mais il me parle de ses résultats, mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme méthode? Alors, je te remercie de montrer à nos abonnés quels sont les mouvements, les techniques de massage que tu utilises depuis 6 ans et qui t'ont permis d'obtenir le résultat que tu as. Alors, d'abord, je vais te demander de montrer tes mains à l'écran. Là, on sent que ça a été travaillé, mais la main est tout à fait normale. L'autre main, voilà. Voilà. Il y a vraiment, tout est bon. Hein. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Quel changement. Et les doigts, bien souples. L'autre doigt, les doigts, bien souples. Voilà, ben c'est tout, toutes les personnes qui ont une maladie du Dupuytren avec les mêmes résultats. La face du monde en serait changée. Oui, ça. Voilà. Alors maintenant, merci d'avoir montré tes mains. Donc, tu me donnes la permission de les montrer parce que c'est ta propriété. Hein. Pas de problème. Merci. Donc, est-ce que tu peux me montrer quelle technique que tu utilises depuis le début? Donc, au début, je t'avais montré des mouvements d'étirement des mains, des aponévroses, de l'avant-bras, de la main, des doigts, des massages transversaux et longitudinaux. Quel est le traitement que tu fais maintenant? Alors j'ai demandé, tu fais comme si tu étais tranquille, tout seul, tu fais tes mouvements. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte que certains mouvements sont difficiles à faire en pratique parce qu'ils demandent de l'espace, etc. Si on commence à faire des mouvements comme ça, quelque part, c'est pas très discret. Effectivement. Ou s'appuyer sur la table. Donc, ce n'est qu'au début que j'ai fait ça, mais très rapidement, je me suis limité pratiquement à simplement faire les massages comme ceci, donc en transversaux, en longitudinaux, de façon à toujours tirer dedans. D'accord. Je peux le faire n'importe où, n'importe quand. D'accord. Ça ne se remarque absolument pas en société. Parfois, il m'arrive, quand je suis plus seul, de faire ces mouvements, ceci, comme tu avais montré, donc tout à fait bien étiré. Quand tu sens que les doigts s'enraidissent un peu. Exactement, quand les doigts s'enraidissent un peu. Ou bien, parfois, mais très rarement, je le fais sur la table, mais pratiquement, je ne le fais plus jamais. Je me limite vraiment à masser ça tout le temps et ces mouvements-ci. D'accord. C'est tout. D'accord. Donc, voilà le programme. Donc, c'est un programme court, mais hyper efficace. Tu y consacres combien de minutes par jour à peu près? Comme j'ai déjà dit, je fais ça très peu de temps, mais très souvent, 2-3 minutes. Et en fait, c'est au feu rouge. Voilà. Quand je suis en conversation avec des gens, ça peut être à la plage, en vacances, ça peut être n'importe où, personne ne le remarque. D'accord. Donc on peut dire 10 minutes, 15 minutes par jour. Au maximum. Maximum. Très bien. Eh bien voilà un super programme, ce qu'on appelle un programme flash, mais alors d'une très grande efficacité. Le secret, c'est de le faire tout le temps. Voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Tom, et j'espère que beaucoup d'entre vous vont pouvoir prendre l'exemple sur lui et avoir un aussi bon résultat. Bonne chance à vous. Voilà, cette petite vidéo pratique est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les techniques antidouleurs, eh bien, vous avez une formation spécifique sur mon site internet dont vous trouvez le lien en dessous et à la fin de la vidéo, également sur la fiche ci-dessus. Voilà, et donc voilà, c'est tout, et voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien cliquez sur abonnez-vous à la fin de cette vidéo. Cliquez sur abonnez-vous, hein, voilà.
abonnez-vous, cliquez sur abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle mise en ligne de vidéos ou d'articles. Ensuite, si vous êtes intéressé par une formation, vous allez, si vous êtes intéressé par une formation personnelle, si mes formations personnelles à santé naturelle vous intéressent, eh bien, vous avez un lien allez en page d'accueil de mon site naturemania.fr, allez en page d'accueil de mon, si vous souhaitez en savoir plus, vous former personnellement, utiliser des techniques, prendre votre santé en main, eh bien, vous avez un lien de vidéo, et vous avez ça, bien sûr, et vous avez également le lien dans le texte de présentation situé en bas de cette vidéo. Voilà, donc, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien.